I'm gonna make him an offer he can't refuse. C'est Bardini qui va déclencher l'opération. Vous avez bien sûr reconnu Le Parrain, un film de Francis Ford Coppola qui est rentré dans l'histoire du cinéma, bien évidemment. Et je voudrais vous en parler à travers la personnalité de Marlon Brando. Que serait Le Parrain sans Marlon Brando? Certainement un bon film, parce que Coppola est un immense réalisateur. Mais ce film est intéressant aussi parce qu'il signe le retour au premier plan du cinéma mondial de Marlon Brando, qui est un acteur pour qui tous les superlatifs sont insuffisants. C'est une icône, c'est quelqu'un qui a traversé le temps et qui est un des grands rebelles d'Hollywood. Vous savez, c'est quelque chose de tout à fait attaché à l'histoire du cinéma américain. Un acteur qui s'oppose à cette industrie, puisque les Américains on fait du cinéma une industrie, les Français l'ont inventé, en ont fait un art. Bref, Marlon Brando, avec Le Parrain, va revenir au cinéma. Et donc, c'est l'occasion de parler de Marlon Brando. Marlon Brando, il apparaît au début des années 50. Il commence par faire du théâtre, mais très rapidement, il va devenir acteur de cinéma et il explose, il devient une star mondiale avec Un tramway nommé Désir, adapté de l'œuvre de Tennessee Williams. Le film est réalisé par Elia Kazan. Je vais vous en proposer quelques images. Vous allez voir en quelques secondes, si vous ne connaissez pas ce film, on comprend tout de suite pourquoi Marlon Brando va devenir une immense star. Et plutôt que vous en parler, je pense que la meilleure des choses, c'est de regarder ces images. Oh, hi. Hey, where's the woman? In the bathroom. Oh. Well, where are you from, Blanche? Well, I live in Oriel. In Oriel? Oriel, huh? Oh, yeah, that's right, Oriel. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot? No, I rarely touch it. Certains d'entre vous auront reconnu Vivian Leigh, la Scarlett d'Autant en emporte le vent dans cette scène. Mais on voit tout de suite, tout est résumé déjà dans cette scène qui est au début du film, où le magnétisme de Marlon Brando, qui est un mélange de violence, de douceur, c'est un personnage d'une complexité totale, d'une séduction sans bornes, et le personnage qu'il incarne, en fait ce qu'il est lui, va devenir un stéréotype, une icône. Le look qu'il a, regardez autour de vous comment on s'habille aujourd'hui, un jean, un t-shirt, mais porté par Marlon Brando, ce n'est pas la même limonade. Après ce film, il y aura L'Équipée Sauvage, où il incarne une fois de plus le rebelle. Et en trois films, le suivant c'est Sur les quais, en trois films, Marlon Brando façonne une image, un type d'acteur qui vont traverser le temps. Et il est, je pense, avant James Dean, le premier vrai rebelle d'Hollywood. Bien sûr, James Dean est une icône, mais il est mort à 24 ans et il n'a pas eu le temps de devenir le rebelle qu'il aurait certainement été, et il l'était déjà. Mais Marlon Brando, c'est un personnage qu'on ne manipule pas facilement. Par contre, qui sait manipuler les gens qui l'entourent? Et vous l'avez vu dans l'extrait, quand il apparaît à l'écran, on ne voit plus que lui. C'est une bombe sexuelle qui va séduire rapidement les hommes et les femmes, au cinéma comme dans la vie. Marlon Brando va donc avoir une carrière faite de haut et de bas, parce que c'est un acteur ingérable, incontrôlable sur les plateaux, dans la vie. Il ne fait que ce qu'il veut, c'est un homme libre, mais la liberté a un prix énorme.
surtout à Hollywood, qui décide de tout. N'oublions pas que le cinéma américain, c'est une industrie. Ce sont des studios. Les réalisateurs, les acteurs sont des employés. Mais Marlon Brando, lui, n'est pas un employé. Il est sûr de son talent, certainement de son génie, et il va mener une carrière qu'il dirigera lui-même et se permettre des coups d'éclat, comme par exemple quand il tourne La Vengeance aux deux visages, qui est quand même mis en scène par Stanley Kubrick. Il renvoie Stanley Kubrick et il termine le film lui-même. Là, je crois que c'est quand même le plus grand exemple de la puissance de cet acteur, mais à force de coups d'éclat comme celui-là, se forge petit à petit une image tout à fait déplaisante pour les studios. Et pendant toutes les années 60, Brando va continuer de tourner. Mais il fait des choix qui ne sont pas forcément très judicieux et peu à peu, son étoile pâlit. Il refuse par exemple de tourner dans Lawrence d'Arabie, qui est quand même un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma américain. C'est Peter O'Toole qui prendra le rôle, tant mieux pour lui. À la place, il tourne Quémada, qui n'est pas un mauvais film, mais bon, qui ne rentrera pas dans les annales. Bref, il a une image tellement incontrôlable que quand arrive le projet du Parrain, Brando veut tourner le rôle. En fait, Marlon Brando veut redonner un souffle à sa carrière, mais les studios, en l'occurrence la Paramount, ne veut absolument pas entendre parler de Marlon Brando. Ce n'est pas grave, Marlon Brando décide, lui qui est quand même une star énorme, de repasser des castings. Et là, je crois quand même, parce qu'on dit souvent que ces acteurs sont capricieux, etc., mais ils sont aussi capables de la plus grande des humilités. Et Marlon Brando, génial, c'est un peu l'histoire de Sean Connery quand il va voir Jean-Jacques Hano pour avoir le rôle de Guillaume de Baskerville. Eh bien, Marlon Brando met des Kleenex dans ses joues comme un hamster et il a créé le personnage de Don Vito Corleone. Coppola est certain d'avoir trouvé l'acteur qu'il lui fallait. Les studios tordent un peu le nez, ils ont un autre acteur, ils préféraient prendre n'importe qui et éviter Marlon Brando. Mais Coppola aura les bons arguments, donc Marlon Brando va avoir ce rôle et signer son retour au cinéma. D'ailleurs, il est amusant de voir que la Paramount, bon, ses grands producteurs ont quelquefois des choix un peu saugrenus. Ils ne voulaient pas de Marlon Brando, ils ne voulaient pas non plus d'Al Pacino. Il le trouvait trop petit et plusieurs noms ont circulé pour le rôle de Michael Corleone. Alain Delon, à un moment donné, est pressenti, mais finalement, ce sera Al Pacino. Et on connaît la suite, puisque Le Parrain n'est pas uniquement un film, il y aura deux suites, il y aura la série. C'est vraiment un univers, Le Parrain. Mais là, aujourd'hui, je vous parle uniquement du premier Parrain, à travers Marlon Brando. Et dans ces années 60, les choix de Marlon Brando sont parfois assez difficiles à comprendre. Et j'en veux pour preuve, je vais vous montrer un petit extrait assez amusant d'un film assez méconnu dans sa filmographie qui est tourné en 1968. Bon, c'est l'époque de la libération sexuelle, du LSD. Bref, les sociétés occidentales se lâchent. Et il tourne ce film avec Christian Marquand. Mais regardez cet extrait, ça va vous donner l'idée, ça va vous faire comprendre rapidement comment une grande star peut complètement dégringoler au box-office et ne donner plus du tout envie aux producteurs et aux majors compagnies de l'engager pour des films. Voici un extrait de Candy, je ne vous en dis pas plus. Stop! You have failed to remove your shoes. Oh, I'm sorry. I thought maybe... This sanctum is beyond the reach of material concerns. It is a holy place. The light is holy, the walls are holy, this water is holy. These hands are holy. I see. Do not put your material shoes on the holy water. What should I do with them? Throw them into the material world. But they're my only shoes. Throw them! Wait. Give me those material corruptions. Out. Et
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, la composition qu'il fait de ce chef mafieux n'est pas du tout quelque chose d'improvisé. C'est quand même un véritable acteur. Et il s'est inspiré, pour faire sa composition, pour créer son personnage, d'un véritable chef mafieux, d'un parrain, en l'occurrence de Frank Costello, qui était le chef de la famille Luciano. Et je vais vous montrer là encore un tout petit extrait, vous allez voir, c'est très intéressant. Dans Le Parrain, si vous le regardez en version originale, parce que le doublage, perdre la voix de Marlon Brando, c'est un peu dommage, mais il a un ton très particulier. Et vous allez voir comment Marlon Brando fait quasiment le calque de la véritable voix de Frank Costello, qui lui sert de modèle pour Le Parrain. Regardez cet extrait, c'est vraiment intéressant. Mr. Halley, all due respect to the son, which I have an awful lot of respect for, I'm not going to answer another question. You just says I'm not under arrest and I'm going to walk out. Donc Le Parrain signe le retour de Marlon Brando aux affaires, pourrait-on dire. En tout cas, il retrouve son statut d'immense star. Et la plus belle preuve, c'est que l'année suivante, en 1973, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain. Et là encore, Marlon Brando ne fait rien comme tout le monde. C'est un provocateur, c'est quelqu'un qui déteste le système des studios. Et sur scène, on attend Marlon Brando pour recevoir. Bon, je pense que dans la salle, on avait bien vu qu'il n'était pas là et on était guère surpris. Mais l'Académie des Oscars ne savait pas encore tout ce qui allait se passer. Et regardez qui va venir chercher la petite statuette. Et je vous en reparle après. Marlon Brando in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando and the Godfather, Miss Shasheen Littlefeather. Hello, my name is Shasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening. And he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Et l'actrice que vous venez de voir, qui est venue au nom des Amérindiens recevoir cet Oscar, a été quand même, et ça on ne le voit pas dans la retransmission télévisée, a été particulièrement malmenée par les acteurs, les producteurs, toute l'industrie du cinéma. John Wayne en tête, qui n'a pas fait que des bonnes choses. Bref, c'est l'Amérique conservatrice contre l'autre Amérique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il est amusant de savoir qu'il a fallu attendre juste l'année dernière, en 2023, donc 50 ans après la scène que vous venez de voir, pour que l'Académie des Arts et Techniques du cinéma américain présente officiellement ses excuses à cette actrice qui était venue représenter Marlon Brando. C'était peut-être un peu tard, mais bon. Et bien sûr, quand on parle de Marlon Brando, on parle tout de suite, bien sûr, de sa séduction. Sa voix, vous remarquez que quand on entend la véritable voix de Marlon Brando, elle est presque enfantine, avec parallèlement un corps, un visage, une expression
qui au contraire paraît plus sévère. Cette espèce de dichotomie entre les deux, je pense, participe au magnétisme total qu'exerçait Marlon Brando, aussi bien au cinéma que dans la vie. Sa première femme, Anna Kashfi, avec qui il est resté pendant 2 ans, disait que sa séduction était aussi subtile que le mécanisme de la guillotine. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais je pense que c'est une assez bonne définition. Marlon Brando, c'était un séducteur troublant, et troublé sans doute aussi lui-même. C'est quelqu'un, et ce n'est un secret pour personne, qui séduisait autant les hommes que les femmes. On lui attribue toutes les conquêtes possibles, toutes les plus grandes stars américaines, et certaines françaises ont couché avec Marlon Brando. Marlon Brando ne se cachait pas du tout de ce qu'il était, c'est-à-dire bisexuel, et quand on y pense, la réalité, c'est que les plus grands séducteurs de l'histoire du cinéma américain sont tous bisexuels ou homosexuels. Le premier d'entre eux, Rudolph Valentino, au temps du cinéma muet, le fils du chèque, toutes les spectatrices se pâmaient devant la beauté de Valentino. Bon, les femmes, c'était pas vraiment sa priorité. Et la liste continue avec James Dean, qui lui-même a raconté ce qu'il a fait avec certains producteurs pour avoir des rôles. Donc Marlon Brando, Montgomery Clift, Cary Grant. Voilà, c'est une particularité. C'est assez amusant, c'est drôlatique. Il est difficile d'expliquer la magie, pourquoi ces acteurs opèrent une telle séduction sur les êtres aussi bien à l'écran qu'à la ville. Peut-être que justement leur bisexualité est une des clés de ce mécanisme amoureux de séduction, et Marlon Brando en est vraiment un exemple total. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit extrait de Candy, qui est un film réalisé par Christian Marquand, bon, qui est un film un peu particulier, qui n'a pas un grand intérêt, mais Christian Marquand est certainement la personne qui a été la plus proche sentimentalement, ou au moins affectivement, c'était vraiment l'ami de toujours de Marlon Brando, qui est venu toute sa vie en France très souvent pour fuir le système américain. C'est une relation vraiment très très forte, puisque le premier fils de Marlon Brando s'appellera Christian. Et je crois qu'à travers aussi Christian Marquand, c'est la relation particulière qu'avait Marlon Brando avec notre pays, la France. Et je vous propose de regarder ce petit document où on entend Marlon Brando parler en français. Et vous allez voir le charme, l'humilité dans sa façon de parler français. Il y a bien sûr la volonté de séduire, mais on voit aussi, je pense, on ressent son amour pour la France et pour la culture française. Tout cela pour dire que cette relation avec Christian Marquand était tout à fait totale et a beaucoup compté dans sa vie. On a même raconté que, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il aurait eu une relation avec Edith Piaf, mais tout ça pour dire que Marlon Brando avait une relation particulière avec la France, et ce petit document est tout à fait savoureux. Bon, une petite chose avant de vous le montrer, il est interviewé par Léon Zitrone. Je l'ai interviewé il y a assez longtemps pour un livre d'enquête, Léon Zitrone, qui était un personnage énorme, qui avait un ego surdimensionné, ça n'enlève rien à son talent, mais qui avait certainement une très haute idée de lui-même, et je pense que parfois les gens qu'il interviewait, c'était surtout lui qu'il mettait en valeur. Et vous allez voir dans cet extrait la patience quand même de Marlon Brando face à Léon Zitrone, qu'il ne connaît certainement pas, et cette interview n'est pas l'une des meilleures de Léon Zitrone, qui fait preuve d'une impolitesse, d'une inconduite. C'est vraiment une interview déplorable. J'ai été longtemps journaliste. Je pense que, regardez cette interview, vous allez voir un très bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière d'interview. C'est très mauvais. Léon Zitrone, même lui, qui a été une des grandes icônes de l'ORTF, est quand même, dans cette interview de Marlon Brando, consternant. Regardez Marlon Brando parler français. Maintenant, au bar des vedettes, nous avons l'une des plus grandes vedettes du monde. J'ai nommé Marlon Brando. Marlon Brando, merci de venir parmi nous. Vous parlez français, je crois. Oui, je parle français un peu. Et ça où l'avez-vous appris? Oui, ça marche. Ah bon, très bien. Où l'avez-vous appris?
le français partout. J'ai beaucoup d'amis français en Amérique ici. Tout le monde, je ne peux pas respirer oui. Parce que j'ai fini faire les autres greffes avec toutes les. Oui, et je suppose que l'on se vous est arraché, comme l'on dit. Oui, j'ai le nation français, c'est très fort. Oui, n'est-ce pas? Seulement. Mais vous savez, c'est quand on aime bien quelqu'un, on l'attaque beaucoup. J'ai chance pour avoir mes pantalons, mes chemises. Enfin, j'ai perdu mon complet. Vous avez perdu votre veston? Si quelqu'un voit le veston de Marlon Brando, s'il vous plaît, rendez-le à la télévision. Ah bon. Dites-moi, Marlon Brando, qu'est-ce que vous faites en ce moment-ci? Moi, je tourne maintenant dans un film ici à Paris et dans les arrondissements. Dans les arrondissements de Paris et dans les environs, vous voulez dire? Un film dans la campagne aussi. Il s'appelle... Vous avez oublié le titre. Ouais. Mais avec qui tournez-vous au moins, dites-nous? Avec Montgomery Cliff. Oui. Avec Dean Martin, avec... Ouais, ça, vraiment, vous êtes vraiment un tout petit peu fatigué. Ils ont dû vraiment vous demander beaucoup d'autographes. Oui, oui, oui. C'est un plaisir, tout de même. Dites, vous restez en France longtemps? 5 semaines, je crois. Presque 5 semaines. Et ensuite, vous retournez aux États-Unis? Non, je tournais en Allemagne aussi. Pour tourner un film de nouveau? Non, non, c'est le même film. Ah, c'est le même film l'histoire. Qui vous fait beaucoup voyager? Non, non, pardon, oui. Le même film vous fait beaucoup voyager, je dis. Oui. Bon, écoutez, Marlon Brando, est-ce que vous allez revenir à la Kermesse aux Étoiles? Est-ce que vous allez revenir ici aux Tuileries? Can you come back again here? Ah oui, oui, c'est... Quand? Quand le prochain fois, j'ai... Non, ici même aux Tuileries. Oui, le prochain fois dans un tank, comment on dit ça? Dans un tank? Quand je peux acheter un tank, j'irai... Non, non, ça, vraiment. Ça coûte très cher. Non. Oui, c'est un peu cher. Il est vrai que les vedettes sont si bien payées qu'elles peuvent peut-être se payer un tank. Pardon? Non, ça ne fait rien, Ah bon? C'est quelque chose de... Je ne comprends pas non plus. C'était un grand plaisir pour être ici, pour avoir beaucoup de... Comme vous êtes très gentil, ah, on vous a récupéré merci. Votre veston et nous allons nous quitter au moment où vous allez mettre votre veston. C'est tout de même amusant. Bien. Voyons Marlon Brando mettre son veston. Soyez merci. Gentil, mettez-le pour nous. Vous ne voulez pas le mettre? Non, absolument non, pas. Il fait trop chaud. Je vais enlever tout. Comme je vous comprends. Car il fait véritablement une chaleur étouffante ici. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de nous. Merci beaucoup, je vais aller vous laisser. Merci, je c'était un plaisir pour vous. Pas le français en télévision. Vous le parlez très bien. Merci, Marlon Brando. Voilà, bon, on pardonnera Léon Zitrone, mais on ne peut pas être bon tous les jours. Et je voudrais maintenant vous proposer de regarder un nouvel extrait du Parrain. Bien sûr, tout le monde a vu le film, et ça fait toujours plaisir de revoir ces scènes que tout le monde connaît avec cette réplique, et je ne vous dirai pas de quelle réplique il s'agit. Regardez, ouvrez vos oreilles. J'ai besoin de jouer, j'ai qu'à être moi-même. Alors je ne sais pas quoi faire, Parrain, je ne sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que t'es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire! Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. T'as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le Parrain, donc, ce film est rentré dans l'histoire. Il y a eu les suites, il y a eu la série. C'est un film quand même de Francis Ford Coppola. Juste un mot rapidement... C'est un Italo-Américain. Ça explique aussi la réussite de ce film, tout comme le succès des Affranchis de Scorsese, qui lui aussi vient de la communauté Italo-Américaine. Je crois aussi que l'intérêt du Parrain, c'est que il y a eu énormément de films de gangsters. On n'a pas attendu le Parrain pour nous présenter la mafia. Les premiers héros des films de gangsters aux États-Unis, c'est James Cagney, George Raft, tout ça est connu depuis très longtemps. Mais Francis Ford Coppola, de la même manière que Sergio Leone a réinventé le western en Europe pour ensuite le réexpédier aux États-Unis, Coppola réinvente le film de gangster. Et son modèle va servir, pendant les 30 années qui vont suivre, tous les films qui vont
parler de la mafia vont largement s'inspirer de l'esthétique du Parrain. De la même manière que dans les années 2000, quand sortira le film de Matteo Garrone et Gomorra, avec la série qui est peut-être même meilleure que le film, eh bien, c'est une réinvention, là encore, du film de gangster, de mafia, et ce modèle va influencer tous les films qui traiteront du même sujet après, et tous les films que vous voyez aujourd'hui sur la mafia sont tous calqués sur Gomorra. Donc je crois que ce sont des films vraiment très importants parce qu'ils ne se réduisent pas uniquement à un simple film, ils vont tout à fait au-delà et ils amènent des inflexions dans l'histoire, dans la façon de raconter des histoires au cinéma. Mais pour ça, évidemment, il faut des grands réalisateurs, des grands auteurs, des grands acteurs. C'est évidemment le cas avec Le Parrain. Mais quand même, pour être un peu plus précis, parce que bon, l'histoire n'est jamais aussi carrée que ça, j'ai essayé de vous tracer à grands traits pourquoi Le Parrain avait vraiment marqué l'histoire du cinéma. Mais pour être précis, donc en 1972, l'année d'avant la sortie, il y a un film qui sort, qui traite du même sujet, d'ailleurs il s'appelle Cosa Nostra. Et ce film de Terence Young, qui a réalisé quelques James Bond, est interprété par Lino Ventura et Charles Bronson. Il sort un an avant Le Parrain, mais bon, il n'aura pas du tout la même destinée. Mais je voulais simplement le resituer aussi dans son contexte, et si vous ne l'avez pas vu, c'est un très bon film. Et bien sûr, dernière chose, quand on parle du Parrain, il est obligatoire de parler de sa musique. Vous savez que je suis assez attaché aux musiques de films. Quand j'étais jeune, je venais de voir un film qui me plaisait, j'allais acheter le 33 tours. À l'époque, pas de DVD, pas de cassette VHS, rien du tout. On essayait de se recréer, de prolonger le plaisir du film comme on pouvait. Tout ça pour dire que cette musique du Parrain, elle est composée par le génial Nino Rota, qui est bien sûr attaché au nom de Fellini, dont il a fait tellement de musique de film. Et ce qui est amusant, c'est qu'il était quand même assez facétieux, Nino Rota. Parce que quand on lui demande de faire la musique, peut-être que c'était un jour de chaleur et qu'il n'avait pas tellement envie de travailler, il a regardé dans ses archives, dans ses compositions, dans ses bandes magnétiques, et il a ressorti, il a recyclé la musique d'un film des années 50 qu'il avait fait et qui s'appelle Fortunella. Il a envoyé le bébé à Hollywood, personne n'y a vu du feu, on s'en est rendu compte après. Mais en même temps, quel coup de génie, parce que la musique est absolument géniale. J'ai essayé de vous parler un peu différemment du Parrain. J'ai voulu vous le présenter à travers la personnalité de ce géant du cinéma qui était Marlon Brando. La fin de carrière de Marlon Brando, ben, je dirais qu'elle est à l'image de ce qu'il était. C'était un rebelle d'Hollywood. Il a retrouvé son statut de star grâce au Parrain. Et ayant retrouvé ce pouvoir face à l'industrie du cinéma américain, il se contentera de faire des apparitions, dit des caméos aujourd'hui, à prix d'or. C'est le cas notamment quand sort le premier Superman avec Christopher Reeves. On le voit juste au début, le chèque est énorme, inversement proportionnel aux minutes de Brando à l'écran. Et c'est le cas aussi dans, bien sûr, Apocalypse Now de Coppola, où on le voit juste à la fin, dans la pénombre, il est énorme, c'est une sorte de Bouddha, et il demande à l'époque 3 millions de dollars pour être à l'écran pendant quelques minutes. C'est Marlon Brando, je crois que c'est sa séduction énorme qui lui a permis de s'opposer autant à l'industrie tellement puissante du cinéma américain et des majeures compagnies. Je crois que dans l'histoire du cinéma, aucun autre acteur n'a eu autant de pouvoir pour affronter cette industrie et mener sa carrière comme il le voulait. Et c'est pour ça qu'il laisse une image tellement forte et son magnétisme, sa séduction, s'est vraiment exercé aussi bien dans la vraie vie qu'au cinéma. Voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 choses sur Marlon Brando et peut-être que ça vous donnera l'envie de revoir ce film magnifique. Donc je m'éclipse, je m'efface derrière Marlon Brando dans Le Parrain, Francis Ford Coppola, 1972.